Ce matin, à la CTG, nous avons lancé le programme RIAC dans le cadre du programme de coopération interrégionale Caraïbes-Guyane de l'Union européenne. Et on va vous expliquer avec Madame Lumeto pourquoi c'est important pour nos jeunes et pour la filière agricole. Il est indispensable pour l'agriculture, pour les jeunes agriculteurs, pour les jeunes formés, de pouvoir se former dans le cadre de leur bassin géographique et d'avoir le sens des réalités dans tout ce qui est pratique agricole. Très concrètement, pour la première fois, on va permettre à des élèves guyanais d'aller se former dans notre bassin et plus forcément à des milliers de kilomètres. Ce programme s'adresse à tous les élèves, tous les apprenants du lycée agricole de Makouria, mais également à tous les apprenants de nos différents partenaires. Elle s'adresse aussi au personnel du lycée, personnel partenaire, et effectivement, tout le monde est éligible en fait sur l'acquisition de nouvelles compétences dans le domaine de l'agroécologie. Plus de 120 apprenants, des élèves mais aussi des formateurs vont pouvoir aller se former dans nos pays voisins. Les objectifs, c'est de pouvoir faire des transferts de compétences, de connaissances, les savoirs, les savoir-faire que nous pouvons acquérir au niveau des différentes structures paysannes dans les différents pays partenaires. Au total, ce sont 1,2 million d'euros qui ont été investis par l'Europe et aussi par la collectivité territoriale de Guyane. Vous pouvez en savoir plus sur ce programme sur le site de la CTG et également sur les réseaux sociaux d'Interreg Caraïbes, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram.